cum laude. What does that mean? Still stuck paying Sally Mae the next 16 years of my life. And is it me or does that... Et yo les potos, c'est Paranien, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi ça va tranquille, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc on se retrouve pour un sujet qui j'espère vous plaira, un petit sujet qui a un rapport un petit peu avec Noël. Donc déjà pour ce qui est du gameplay, je vais vous le présenter un petit peu. Donc nous sommes sur Call of Duty Black Ops 2. Donc j'étais tout simplement avec mon N94 que j'avais équipé de poignard ergonomique et cross il me semble. Et donc voilà, et le gameplay est soit sur Red soit sur Adjudicate, je sais plus trop. Voilà, j'ai un petit trou de mémoire, le gameplay date quand même un petit peu. Donc pour ce qui est du sujet, comme je vous l'ai dit, un rapport avec Noël. Donc je vais tout simplement vous donner mon avis si oui ou non ça vaut le coup de passer sur console nouvelle génération. Donc voilà, donc le lien avec Noël, c'est est-ce que oui ou non, en gros, vous, ça vaut le coup de demander un peu pour Noël d'avoir une console next-gen. Donc voilà, donc pour moi, je vais vous donner tout simplement mon avis tout de suite, et puis après tous mes arguments, on va procéder comme ça. Donc pour moi, oui, ça vaut réellement le coup de passer sur next-gen, donc pour plusieurs points que je vais aborder avec vous dans ce commentaire. Donc le premier point que j'aimerais aborder, donc c'est tout d'abord la connexion. Voilà, la connexion, c'est vraiment un point qui différencie vraiment la old gen et la PS4 et la One, parce que on ne lag pas du tout sur PS4. C'est-à-dire que vraiment les serveurs sont de très très bonne qualité. Donc évidemment on paye par rapport à la PS3, mais les serveurs, on a vraiment la qualité, elle est vraiment là, elle est vraiment présente sur la plupart des jeux. Donc après sur AW, sur PS4, ça reste un petit peu léger. Pour moi, franchement, on devrait rien avoir à dire sur Next Gen pour ce qui est de la connexion, et c'est pas forcément le cas sur AW. C'est vraiment le seul jeu sur lequel je rencontre quelques problèmes de connexion, mais sinon, vraiment, les connexions sont excellentes, nickel chrome sur Next Gen. Donc voilà, donc un deuxième point que je voulais aborder avec vous, j'espère que je répète pas trop le mot aborder, donc c'est tout simplement là, c'est tout simplement les graphismes. Donc voilà, les graphismes, c'est vraiment un truc de ouf sur Next Gen, surtout sur les jeux qui sont sortis récemment. Évidemment, c'est vraiment le jour et la nuit entre PS3 360 et PS4 Xbox One. C'est vraiment le jour et la nuit, c'est-à-dire que vous regardez un gameplay de Far Cry 4 PS3 et un gameplay Far Cry 4 PS4, vous vous dites limite que c'est pas le même jeu. Vraiment, j'exagère rien du tout en vous disant ça. Vraiment, checkez sur internet la qualité PS3 et PS4, surtout pour Far Cry 4 d'ailleurs. Vraiment, vous allez halluciner. Franchement, c'est vraiment un des points d'ailleurs sur lesquels je suis le plus satisfait pour ce qui est des consoles nouvelle génération. Vraiment, les graphismes, on se croirait limite dans la réalité, et ça, c'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément et qui rend notre expérience de jeu vraiment extrêmement optimale. Donc un autre point que j'aimerais aborder avec vous, c'est tout simplement les lags. Donc voilà, quand je vous dis les lags, c'est plutôt les freezes, parce que je pense que vous l'avez remarqué comme moi, surtout pour les nouveaux jeux qui sont sortis sur PS3, ils freezent plutôt régulièrement, surtout sur Call of Duty Advanced Warfare. C'est à dire que par exemple vous êtes en plein gameplay, vous êtes en train de faire un truc de ouf sur PS3 et boum, votre console freeze, vous êtes tout simplement obligé de tout redémarrer, et ça, c'est réellement casse-couille. Sur PS4 et One d'ailleurs, vous n'avez aucunement ces problèmes là parce que vu que les jeux, d'accord, ils sont extrêmement gourmands en énergie, mais derrière la PS4, c'est vraiment fait pour ça. C'est à dire que les jeux, au fur et à mesure du temps où les jeux vont sortir, eh bien ils vont être adaptés pour la next gen, pas pour la old gen. C'est à dire que pour l'instant, les jeux, ils sortent encore sur PS3 de 1 pour le marketing, et aussi parce que ça peut à peu près tenir le coup. Mais au fur et à mesure des mois, au fil des jours, les jeux qui vont sortir, ils ne seront plus adaptés sur PS3, et soit ils vont quand même mettre ça sur le marché, mais ça va être un jeu complètement horrible sur old gen, soit ils vont carrément plus sortir et vous aurez plus de jeux sur old gen. Donc ça, c'est vraiment un point extrêmement important, le point même, un des points les plus importants aussi. Donc vraiment, ça, c'est quelque chose qui fait que à un moment ou à un autre, si vous voulez continuer à jouer aux jeux vidéo ou aux jeux récents, vous allez obligatoirement être obligé au bout d'un moment de acheter une console nouvelle génération. Donc voilà, donc c'est à peu près les points les plus importants. Alors après, il y a encore quelques détails qui font que
L'expérience de jeu sur Next Gen, elle est beaucoup plus agréable que celle sur Old Gen. Premier truc, c'est tout simplement la fluidité du jeu. La fluidité des jeux sur Next Gen, elle est beaucoup plus importante que celle de PS3 et de 360. C'est-à-dire qu'elle est de 60 images par seconde précisément. Et sur PS3, elle est de 40, entre dans le genre 30 à 40. Donc du coup ça fait que vraiment le jeu il est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus agréable de jouer sur 60 images par seconde bien évidemment. Et ça fait vraiment un choc hein, quand on retourne sur sur PS3, vraiment on a vraiment l'impression que tout est lent, que les images elles s'enchaînent pas bien. C'est vraiment choquant hein, quand on fait quand on passe de 60 à 30 à 40. Vraiment je vous c'est pas une plaisanterie, c'est vraiment on ressent vraiment la différence, même si ce n'est qu'un détail. Donc voilà, c'est à peu près tout. Voilà, ça aurait fait une petite vidéo un petit peu courte, mais je pense qu'elle aura quand même été plutôt sympa et ça pourrait peut-être tout simplement donner l'envie à certaines personnes d'acquérir tout simplement cette console nouvelle génération. Donc voilà, et si ça vous a pas convaincu, dites-moi par commentaire, dites-moi ce que vous attendez d'une console next gen et j'essaierai de vous répondre. Et ça pourrait tout simplement être sympa d'avoir une interaction dans les commentaires. Donc voilà les gars, c'est tout simplement la fin de cette vidéo et de ce commentaire. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. J'espère également que le son de ma voix aura été très agréable, parce que je viens d'investir dans un nouveau micro, donc dans un Blue Yeti. Donc d'ailleurs sur ma chaîne il y aura bientôt une vidéo de présentation de ce nouveau micro où je vous présenterai un petit peu toutes les facettes de cet objet. Et, j'aimerais aussi vous dire vite fait que je vais également tenter d'envoyer cette vidéo à plusieurs chaînes communautaires, donc à la Play Family, à la Player Dream, à la Cisio Family et à la Playgeek TV. Donc j'espère réellement que ces chaînes communautaires me plaudront, ça me fait extrêmement plaisir. Donc voilà, j'en ai terminé enfin avec cette vidéo. Donc encore une fois, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère également que le gameplay vous aura plu. Et moi les gars, je n'ai plus qu'une chose à vous dire. À très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Paranight, peace.